Et c'est parti pour ce match importantissime entre deux formations qui luttent pour le maintien. Ah, ça c'est bien fait là pour aller trouver Duponchel. Il va pouvoir s'appliquer Duponchel. Allez, le centre au second poteau. Ce sera pour Ball. La reprise de Ball et l'ouverture du score Ponot. Elle est ici. Elle est signée de l'ancien Monceau. Loïc Ball à 0 après à peine 20 minutes de jeu. On est désormais aux abords de l'autre surface. Ouais, très, le bon ballon là pour Vincent dans la surface. Niandouillé qui laisse passer pour Cervantes. L'égalisation. Oh, elle est ici. Quelle action magnifique pour le 1 partout. C'est venu de la gauche. Ah, et le geste super, hein, on laisse passer pour Cervantes qui vient inscrire son cinquième but de la saison. Faut s'appliquer sur le centre. Ah, il est plutôt pas mal peut-être pour Dadoun. Oh là là, dommage. Il va les provoquer. Ah, il va les défier, repiquer sur son pied droit. Lambeza, la frappe, oh, la parade. L'arrêt. Et la contre-attaque avec contre. Le ballon profondeur. Attention pour Niandouillé qui va certainement se présenter seul, qui a réussi à servir Cervantes peut-être pour le doublé. Cervantes face à Maria, le repli. Oh, quel repli. Sublime, c'est peut-être pas terminé. La frappe et le sauvetage sur la ligne. Et le centre qui est contré, freiné, mais qui n'est pas dégagé. Attention de ne pas faire faute dans cette surface de réparation. La frappe, oh, la parade encore. Clambeza. Charge de jeu encore. Pourquoi pas. Oh, ok. Il n'y aura pas de temps additionnel. Et bien malin est celui qui peut nous dire vers qui va basculer cette partie. Allez, il y a un 3 contre 3 à jouer. Lambeza, il a l'appel de Benfredge. Il est servi, Mohamed Benfredge en première. Attention à la frappe. C'est pour les mains de Kosic. Il a toujours ballon Rossignol. Allez, ballon profondeur pour Niandouillé. Il est bien excentré. Le centre. Oh, le deuxième but. Le but du Mans. Le but du 2 buts à 1. Sur ce centre au second poteau qui termine sur Aiko. Étrangement seul. Allez, donc je vais peut-être revenir avec Ndiaye dans la surface de réparation. Ndiaye, oh, le penalty. Ah, indiscutable. Un quart d'heure de la fin pour relancer le puits dans cette partie. Et Logo Kotick. Et Logo, c'est parti. Et c'est au fond. Voilà. Une sorte de petite panenka. Ou en tout cas de petit ballon mort qui finit à plein axe. Deux buts partout. L'égalisation Ponat, signé Arsène et Logo. C'est parti. Attention à la réaction immédiate. Ah, c'est frappé au deuxième poteau. Ce sera pour une tête, celle de personne. Et le but. Et but. Mais but. Oh là là. Et le nouveau but dans cette partie. Ouais, il y a but, il y a but. Non, le ballon a bien franchi la ligne, hein. On l'a bien vu. Enfin, moi, je l'ai bien vu. Ouais, on le voit d'ici. Attention au but du chaos là, avec cette frappe et l'arrêt de Yann Maria. C'est pas terminé. Ça va revenir sur Karchi. La frappe de Karchi qui vient tuer tout suspense. Cette frappe sublime des 20 mètres qui trompe Yann Maria. Ça fait 4-2 pour le Mans. Lambeza pour peut-être l'une des dernières offensives Ponot, un ballon en profondeur. Ah, il est passé pour Sangaré qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Sangaré, la frappe et l'arrêt. Ah, là, dévié. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Victoire Mancel ici ce soir au Stade Massot. Le joli coup des hommes de Réginald Doré qui viennent s'imposer 4 buts à 2 dans cette partie.